différents corps qui ont signé ou bien qui sautent pour signer dans le jeu qui a venu là. À quoi qu'elle a fait quelqu'un? Oui. Il a tombé dans un accord en tout. Pendant un accord, si un pays, même à plonger, on fait mon yon à plonger des sons. Nous ne pouvons pas côté dans privé comme l'abîme n'a pas de profondeur. Oui. Et bien, plusieurs accords là qui sautent pour signer ou bien qui commencent à signer. Et nous, on tweet M. André Michel pour le secteur démocratique là qui dit discussion entre le secteur démocratique là avec Dr. Ariel Henry qui lui-même a accord parlé. Même genre, société civile là a accord parlé tout. Et donc. M. Michel, ça avec une seule tête là, la marche. Oui, avec une seule tête là, avec Dr. Ariel Henry. L'autre accord, c'est accord deux têtes là. Deux têtes. Deux têtes, oui. Donc, M. André Michel dit il recevoir la dernière version projet accord. Donc, fondamentaux nous figurer là-dedans, donc revendication yo secteur démocratique là en dedans à quoi ça, donc sans doute y a aucun problème à cli. Nous en consultation au niveau SDP pour décision finale. Là, SDP c'est transparence d'après M. André Michel, mais nous pas gagné vraiment tout document ça. C'est ça que fait tout à l'heure après le gagné pour nous parler avec M. Gédéon Jean qui lui-même essayait faire une sorte de compilation entre différents accords qui dans la rue là qui tout à blanc pour capable permettre auditeurs de comprendre ce qui a passé là jodi en famille la valance non seule tête là la école famille la valance non pas une seule tête et même c'est dans quoi société civile dans lié deux têtes là oui deux têtes là qui gagnaient et on comment ça c'est qui gagnait et ça nous relait et conseil transition oui conseil national transition hein, et donc c'est là dans la famille Lavalassier. Donc faut que qui est-ce qui a tête conseiller là lui-même non, qui est-ce qui Liboko Liboko qui est-ce qui prend même qui a porté l'évangile oui ça c'est commission qui est madame Komodeni là-dedans oui commission qui a cherché une solution oui. Okay. Donc, commission capable chercher une solution haïtienne dans la crise. Là. Vous voulez dire que la famille Lavalas fait un coup de volant sur Montana. Il faut être dans Montana. Oui. C'est dans Montana, la famille Lavalas et Ali. Oui. Qui est-ce qui a marché avec M. Michel même, lui-même? Après M. Michel, ancien sénateur NIP. Oui, là on parle de secteur démocratique. Oui, nous avons une autre entité qui est même à quoi ça. Nous ne pouvons pas connaître. Nous connaissons une force qui est derrière. On est Timothée son seul tête là. Mais qui ça, on est. Non, on y a le bout de plainte pour on seul tête là. On y va en seul tête là. Et sûrement, on y. Et qui est-ce qu'on y même? Ni Montana. Il n'y a pas ni Montana ni non seul tête là. Oui, oui. Il a le pote plainte pour PM. Pour PM, non, oui, il a le pote plainte. José Milien, qui m'a dit. Oui, n'a pas dit Montana. Alors, entre un exécutif à deux têtes ou bien une seule tête, acteur politique et acteur dans la société civile, ils continuent à discuter là pour arriver jeunes, ils ont sorti la crise. Mais pendant temps, ça, situation sécurité à pays a dégradé, situation économique là a dégradé tout. Est-ce que l'accord politique là pourrait le permettre ensemble, problème ça, yo résoudre? Mais en tout cas, la discussion yo prend plus de temps que yo te prévoit et entre plusieurs partis politiques qui étaient déjà entendu yo déjà sous départ Jovenel Moïse à entendre ça entente pour arriver déboucher son accord politique révéler le difficile et c'est dans le contexte ça justement parti ancien président Jean-Bertrand Aristide là qui était déjà gain position li à peine sorti un accord sorti crise commission cap chercher une solution haïtienne à crise en guerrier j'en te dit tout à l'heure ça qui vient confirmer position parti qui fait qu'on est président tiers Sénat République là Joseph Lambert qui est premier ministre Ariel Henry, ces deux obstacles, peuple haïtien a fait face dernier temps à Yon de Pays, d'après parti ancien président Jean-Bertrand Aristide La Famille Lavalas. Oui, donc lorsque l'État est venu dans le journal la première occasion d'Odjusson Diogène des faits qu'on est, parti Jean-Bertrand Aristide La a supporté proposition, conférence citoyenne pour Yon sorti crise là, pendant les voyages jeté proposition 10 sénateurs qui plaidaient en faveur Yon.
exécutif qui vient là-dedans, Joseph Lambert comme président, Ariel Henry comme premier ministre, alors ce que lui fait qu'on n'ait pas gagné aucune possibilité pour Joseph Lambert avec une président à transition. Judson Dirogène rappelé 10 sénateurs n'y a pas qu'à prétendre agir dans nos institutions qui dysfonctionnelles depuis quelques temps. L'autre bord, famille Lavalas, vous jeter proposition à Ariel Henry qui plaidait en faveur d'un exécutif qui gagne là-dedans seulement un premier ministre, d'après ça, Judson Dirogène t'a fait connaître. Donc c'était vendredi, hein, et c'est même vendredi ça, donc dans après-midi. Oui, et pendant journée, donc il y a si un accord ça dans local RNDDH. Là, donc avant même, et après interview ça, Judson Dirogène est lui-même t'es by Radio Caraïbe. D'après le gars de là, il y a une note que famille Lavalas fait sortir. Oui, note ça, famille Lavalas fait sortir. Après, il y a fait un signe document qui dit organisation politique famille Lavalas saluer l'autre fond. Il y a encore courage population, spécialement toutes victimes des as qui passaient dans le grand sud de pays. Dans le moment où on peut vivre là, économie pays en tête en bas, il y a l'état pillage qui a fait déficit sur déficit, insécurité à pas les terrains, et ils ont vide constitutionnel, la misère, péché, moun vivre tant que moun, pandémie COVID long, sans nous pas oublier, tremblement de 14 d'août là, cyclone grâce qui vient mettre gaz sur du feu, la misère. La date 2 septembre 2021, famille Lavalas organise une rencontre, brasser l'idée avec un membre organisation pour décider qui position organisation prend, sous accord pour sortir de la crise là. Devant toute urgence, ça y est, famille Lavalas a déclaré les arrivées pour tout le monde, fait un effort en plus pour mettre intérêt pays devant, pour nous capables de joindre une entente qui pour aider nous, mettre conditions capables mettre démocratie rétablie dans le pays pour nous couper fâchés avec l'État corrompu ça, pour nous renforcer l'institution nous pendant n'a pas reconstruit le pays non. Et bien, puis gros objectif entente ça, c'est mettre un climat la paix, la paix dans tout le quartier, la paix dans tout le pays. Pour nous joindre la paix dans tête ça, nous besoin d'un accord politique pour changer l'État pillage ça, pour nous reconstruire l'État qui service population, tout le monde n'est pas d'accord sur tout ça qui dans un accord, mais majorité qui a joint une entente sur ça qui est important. C'est pour ça que famille Lavalas a décidé de signer un accord 30 d'août 2021. C'est un pas qui doit aider la nation à avancer pour éliminer un système corrompu. Il faut que toute force économique et politique paysan aide à former rapidement conseil transition avec un gouvernement salut public, il y a un gouvernement salut public qui devrait faire avec monde compétent, honnête, qui joigne confiance à tout secteur dans la population. Donc voilà, comité exécutif Lavalas qui signe notre ça, donc qui rejoint dans l'accord 30 août là, qui prône un gouvernement de conseil transition. Donc il y a même tout profité, faut filer là dans l'île, il y a un gouvernement salut public. Donc proposition yo qui pas manqué en pile le secteur a positionné, il y a deux citoyens tout qui a fait ce type de proposition, mais parti politique haïtien pour Haïti lui-même li invité acteurs yo retourner dans la constitution côté yo même là yo plaidé en faveur mettez campé yon exécutif fonctionnel pour y mettre pays à sous voie constitutionnel, exécutif constitutionnel, ça, d'après yo, a pas gagné un mandat 6 mois, l'a pas gagné pour mission organiser élection générale, un pays a un nouveau conseil électoral. Porte-parole, la formation politique, ça, li longe doit être, on fait encore sur une série personnalité. France Lasser dit qu'a cherché bouillé pisse sous assassinat, un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Lasser dénoncé ça, le copinage entre classe politique traditionnelle là avec oligarchie qui d'après lui prend pays en otage. En écouté Jean-France Lasser, l'itinéraire micro Johnny Ferdinand. Exécutif Fox Teneza, qui pour réaliser l'élection générale dans le pays, non pays qui pas dépassé 6 mois, eh bien, des partis politiques qu'on croit ici pour Haïti et des partis progressistes, moi je dis,
à partir traditionnel. Or, politique en Bachita n'ont pas pour camper des autres, les crimes de sang, les crimes financiers, pour résoudre le problème du contrôle de l'appareil de sécurité des États et le regain total et global de notre souveraineté. C'est le progressif qui s'est passé dans la PAMUN, immédiatement président Zimouri, qui fait alliance à PHTK pour aller prendre pouvoir. Donc nous-mêmes, nous avons jamais été des alliés de PHTK. Nous avons été des alliés du président Jovenel Moïse. Et ça fait, nous avons le courage pour nous indexer majorité mon nom encore contre nature, moins de 48 heures après l'assassinat de Jovenel Moïse dans sa résidence, qui fait alliance à PHTK. D'ailleurs, les représentants de PHTK, nous demandons à l'aide, nous indexer l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous croyons que son bon pouvoir exécutif pour créer dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas dépasser 6 mois pour les élections générales dans le pays, pour nous, bon calendrier bien compris pour départ, question d'union et question corps groupe là, pour nous dissoudre Balassa. D'ailleurs, assassinat de Jovenel Moïse, lui, bon cas transnational là-dedans. Sur le territoire, États-Unis ont recruté assassin Jovenel Moïse en Floride. Là, nous avons un paquet de rapports absorbés dans l'organisme dit de défense des droits humains et un paquet de capteurs politiques qui ont porté plainte. Nous trouvons c'est vraiment grave. Parce que Oubaka, c'est où tu as combattu pendant tout le temps, depuis nous dit que ça a lien sur nous pour pouvoir voir le mol et on a voté plainte. À quel titre, à quelle qualité vous votez plainte là. Donc nous allons bouiller plus. Parce que procès pour une bonne vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, procès plutôt Caïbé, crime de sang, la peine de culpilla, nous identifier les vrais ennemis du peuple haïtien pour mettre hors d'état de nuire avec l'apport de la diaspora qui va avoir double nationalité et puis qui va tourner des opérateurs économiques et des acteurs politiques pour nous transformer le pays en l'autre citoyen, notre société, notre État. Il y a eu à 8 clos le 8 juillet, Conseil sécuritaire, que le Joseph Félix PM, 48h08, donc ce manœuvre. Et carcère diplomatique là, avec les États-Unis, OEA, avec l'ONU, avec le groupe, mais haïtiens nous-mêmes, comme c'est haïtien de Haïti, donc c'est notre capacité à notre cadre souverain pour nous déterminer qui type d'exécutif avec les progressistes, avec les secteurs. Il n'y a pas tout pour nous abîmer pour pouvoir là. Mais les secteurs qui vont manifester là, dont haïtiens pour Haïti. Donc, là, qui se ressemble ensemble, monde qui a posé problème pays d'Haïti dans le cadre souverain, nous allons tenir une conférence en rien de fait. Au pouvoir exécutif fonctionnel, d'ailleurs nous, en même temps, nous commençons à créer une situation de sécurité, nous va être encore. Et les groupes armés reviennent. C'est la même situation que nous avons en 2010, après le tremblement de terre là. Les États-Unis, pas oublié, ils ont 400 militaires soldats là, ils ont 200 militaires là, ils ont armada avec drone, avec porte-avions, amphibies, tanks, amphibies, ils ont là sous terrain, ils ont après minimum 4 mois. 4 mois bas, c'est l'année pour aller l'élection de la ville d'Haïti. Si nous ne sommes pas devant notre cadre souverain pour nous approbier le processus électoral là, pour que pouvoir qui fait confiance à la population sur base claire avec le programme, et bien même ça qui est venu, la crise va recontinuer encore parce que nous avons un copinage entre la classe politique traditionnelle et les oligarques corrompus des cartels économiques. Voilà, au tape à côté, déclaration Jean-France Lasserre. Ancien député Serkar Kavajol, en trois droits dont bien aimé, il partageait position marché pour la vie qui souhaitait concerner ou mettre tout accord ensemble pour aboutir à un seul accord politique pour assurer gouvernance l'État pendant période de transition. Ancien parlementaire croit qu'il y a une nécessité pour tout acteur ou mettre orgueil sous côté pour sauver pays. Un côté ancien député Antoine Rodon, bien aimé, qui est dans le micro, Renchel Adrien. En tant que dirigeant ENA et membre de FND, yon ancien APFN, nous croyons que c'est une démarche durable, c'est une démarche à féliciter, c'est une démarche à apprécier. Et nous inscrivons dans la logique ça. Parce que nous estimons que jeudi, il y a un paquet de fonds qui fait, certainement. Là, il y a une proposition d'accord, ENA a une proposition d'accord, chaque parti politique a une proposition d'accord. En pile monde dans la société civile a gagné une proposition d'accord. Jeudi, il y a concilié cette proposition d'accord pour nous arriver à trois gros propositions d'accord, tant que peine, je dis à qui gagne, il y en a plus gros pôle politique qui vient dans le pays à côté, où je vois plus passer 300 partis politiques et organisations sociopolitiques qui signent. Et il y a gagné un accord qui a été signé. Ou bien joindre gagné par les biais des autres organisations politiques et de la société civile qui signe l'accord de Montana. Ou joindre l'université qui a acquis une proposition d'accord. Moi, je pense que nous faisons un groupe pour des jeudi à gagner trois gros propositions d'accord qui méritaient concilier. Et nous croyons que le monde marche pour la vie. C'est deux mondes, nous estimons, qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont nécessité pour un accord unitaire.
nous yo fait une proposition. Nous supporter proposition ça nous appuyer. Nous souhaiter toute l'autre pôle politique yo, toute l'autre organisation politique yo, toute l'autre organisation de la société civile yo, yo supporter démarche marché pour la vie et puis pour concilier l'ensemble des accords qui joignent entre les différents pôles pour yo capable venir un accord unitaire. Ça me quoi question démarche louable et nous-mêmes nous dit que nous supporter et on a fait effort nous-mêmes pour nous présent et pour nous participer. Donc toute l'autre monde qui t'a remé jeune yon solution de consensus dans pays pour yon exécutif bicéphale parce que nous autres la boumé pour exécutif bicéphale contrairement à premier ministre Ariel qui comprend qu'il y a un exécutif monocéphale qui a dirigé pays pendant tout le temps la pour faire là pas quoi que des machio et pour côté premier ministre Ariel il y a qu'un majorité monde dans pays a on pas dit 90% acteurs et même peuple haïtien souhaiter gagner exécutif bicéphale moi quoi que des machla li louable et nous autres la supporter et demander tout l'autre monde supporter pour prendre forme ni et pour qu'on fasse des routes pour planifier et démarrer à 6 jours le plus rapide possible pour dans 5 à 8 jours qui viennent pour qu'on accord unitaire qui va être dans le pays qui va le bailler naissance à exécutif bicéphale là et un gouvernement de consensus. Quand on parle de consensus, pas bien monde qui perdu, pas bien monde qui gagne. Je dis à tout doit se faire par consensus. Dans l'état pays a déchiré là, pas quoi après les questions coquin parce que gon monde qui des gon bagarre personnel pas joine et depuis nous chita ensemble entre nous consensus la joine. Moi quoi que tout pour absentir bagaille pour aller bien parce que je dis à ça qui est important pour nous c'est sécurité, c'est sérénité, c'est la stabilité. C'est organiser l'élection, c'est faire institution fonctionner pour les services dans le pays, tout bon vrai, et pour encourager investisseurs à venir investir pour que la vie retourne dans le pays, pour la vie économique, la vie sociale, la vie politique reprenne normalement, et pour tout le monde qui a vaincu librement l'activité, pour que c'est la plus grosse satisfaction. Je dis à comment vous comprenez. Il y a des zones où on ne peut pas passer. Là où on dit un monde qui était dans la zone Matisse, on vient aller cafou, aller glisser, les jours, il n'y a pas qu'à traverser. Il y a des zones où on ne peut pas dans le pays, moi crois que faut qu'on gouvernement, faut qu'on exécutif bicéphale qui vienne pour adresser problème ça yo pour poser une solution bien vite et pour tout le monde sentir yo en confiance ça bien. Voilà, député, ancien député Antoine Rodon, bien-aimé. Avec nous, maître GD, on Jean, n'a pas marché pour la vie, à clé, n'a pas permettre de partager avec nous un document ça, marché pour, n'a pas marché pour la vie, rédigé, qui fait une analyse comparée de, ensemble, proposition sortie crise et puis perspective pour ta gagner, et une seule proposition. Maître GD, on Jean, bonjour, bienvenue sur Caraïbes. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Caraïbes FM. Jacques Odile là, Guerrier, donc le marché pour la vie, mettons un document sur table là qui titré analyse comparée des propositions de sortie de crise et perspective pour une proposition unique. La démarche, c'est qui ça exactement? Et marché pour la vie, nous sommes toujours dans une démarche de facilitation. Donc nous-mêmes, nous avons facilité. Acteurs arrivés à un accord unique. Je nous connais dans nos conjonctures, côté que je vous dis, à nous pas dans la constitution, hein. Nous gagnons des autorités qui pas légitimes de fait engager l'État, ce qui paraît anormal. Donc, marché pour la vie, nous même les comprendre aspiration des acteurs politiques. Je vous dis, qui est exprimé à travers trois documents, documents pendants, donc protocole d'entente nationale là, avec documents proposés par le gouvernement du CEP Ariel Aïlia, et puis le document proposé par la commission qui est à la recherche d'une solution haïtienne à la crise, donc le document du CEP. Donc trois documents ça, globalement, ils ont exprimé aspiration, genre que acteurs ont carrément. Et le pays a été dans une situation exceptionnelle, ça y est, et ajoutons bon, l'autre groupe d'acteurs, ça n'est les non-signataires, sous contrat avec le SDP, et même qui dit que n'ont pas proposé un document, mais à présenter dans tout document qui vient là-dedans, aspiration population. Donc, marché pour la vie qui constate la situation, ça, hein, puisque nous avons tous les mêmes préoccupations, par exemple, sécurité, c'est ça tout le monde revendiqué. Élection pour choisir librement ses gouvernants ou ses représentants, ça dit dans tout document, il y a besoin de justice, il y a accès aux services sociaux de base, entre autres. Donc nous voyons que fondamentalement, tout document qui présente, il a gagné même contenu, mais différence, c'est surtout, par exemple, sous durée et transition, bon, ça a un qui est vraiment fondamental, mais c'est sous, par exemple, est-ce qu'on a bon exécutif bicéphale ou monocéphale. C'est mécanisme sous table pour désigner président avec premier ministre. Non? Donc, dans le document, là, pour proposer un mécanisme, et puis, alors que, il y a un autre document, les mêmes qui proposent, on se dit encore au sommet. Donc, on
nous-mêmes, nous fusionnons tous les documents, nous venons avec un document qui gagne essentiellement deux parties. Dans la première partie, hein, nous disons les différences qui viennent dans chaque document, yo, mais qui côté gagner fondamentalement même contenu. Mais globalement, nous disons qu'on gagne même contenu. On a dans notre deuxième partie, nous dit fondamentalement mes différents documents au gain. Et bien, sous base ça, nous ajoutons pour l'autre partie côté que nous dit, eh bien, je dis à qui on t'a dit chita pour entendre sous point ça fondamentalement, donc nous avons besoin d'un accord en plus. Donc, c'est dans ce sens que nous proposons documents ça à tout acteur qui entrent dans quatre propositions que nous pouvons faire. Nous-mêmes, nous marchons pour la vie, toujours qu'on continue à faciliter acteur joindre un accord, ça veut dire une petite constitution, parce que je dis à nous parler de constitution, il faut qu'il y ait une petite constitution. Dans la gage politique, quand il y a un accord minimal. Okay? Eh bien, nous t'ai proposé que pour gagner un groupe de travail inclusif, qui gagne un représentant six entités que nous t'ai identifié, à savoir groupe pénal, gouvernement, accord contre tout plan, marché pour la vie et Sénat. Ok, maintenant, et puis les non-signataires, eh bien, groupe de travail, ça va. La fusion des documents et puis la méthode Chita pour faciliter entendre sous point de divergence, le ça pour proposer à la nation cette petite constitution, c'est-à-dire un accord politique, parce que c'est ça nous tout à chercher aujourd'hui, et encore ça de tenir compte des besoins de la population, puisque tout acteur politique ça a bataille pour améliorer les conditions de vie citoyens, eh bien, nous encourager les citoyens pour nous encourager acteurs, que ce soit acteurs qui adhèrent à un contenu, que ce soit acteurs qui travaillent avec accord, proposition d'accord, projet d'accord, ce que vous ministre des chefs en fait, c'est demander aux populations pour les suivre dans ça, puisque, in fine, c'est intérêt population que nous utilisons. Donc, c'est notre démarche de facilitation ça, que Marché pour la vie est toujours inscrit, que la continue inscrit. Initialement, le travail, et ça nous fait là mettre André Jean, Jean, marché pour la vie, et qui ça comme position dans la crise là, en termes de proposition, et analyse comparée, ensemble de propositions, ça nous fait là, t'as doué bah, qui ça comme solution, étant donné et des baillots, y aurait été sous un exécutif à une tête ou bien à deux têtes. Bon, et document, j'ai dit dans l'introduction, hein, où nous-mêmes avons facilité, avons aidé, avons encouragé acteurs positionnés, ouais, avons encouragé acteurs positionnés, parce que pour la population, on est position acteur, à chaque fois qu'il y a un acteur qui adhère à l'accord, c'est très bien. Nous-mêmes, c'est facilité, c'est aider pour arriver à mettre ça ensemble, pour venir avec une position unique là. Donc, l'esprit document, l'esprit document, c'est exactement ça lié. Donc, c'est très réveil. Groupe de travail qui a commencé pour acteurs. Donc, ça va être longtemps pour ce travail, ça puisse nous gagner les compétences nécessaires. Hein. Donc, nous proposons documents, ça qui c'est base de travail, à côté que nous acteurs, ok, dorénavant, tout document, toutes trois positions, ça y est. Mais pour l'essentiel qui s'est exprimé, question sécurité, question justice, question élection, service social de base, etc. Nous disons, mais qui est à tout document exprimé, et légèrement, mes côtés ont des différences, non? Et fondamentalement, mes côtés différences là. Donc, actuellement, nous encourageons le travail sur ça. Donc, dorénavant, ce groupe de travail que nous proposons et que bien au moins quatre acteurs qui viennent à dire à dynamique là, qui exprimer, et bien nous disons déjà, vous avez ce document de travail pour parvenir à cette petite constitution, entre guillemets, ou encore à ce document final. Donc ça marche pour la vie à chercher nous-mêmes, comme facilitateurs, nous pas prendre position, c'est aider acteurs à arriver à conclure cet accord politique. Pour capable, un, doter pays à deux, ça nous a tout dit, mais d'une petite constitution ou d'un accord politique, le ça, pour capable d'avoir des autorités qui légitiment, parce que légitimité, il y a fondamentalement, nous venons de deux côtés, nous venons dans l'élection, pour nous pas gagner, pour pas gagner un gouvernement qui soutient dans l'élection, ou bien soit, pour la santé voter pour de façon indirecte ou indirecte, par exemple, premier ministre Ayolari, son premier ministre de fait, ou le premier ministre de facto à Andorra. Sous prendre le directeur général de la PNH, avec tout le monde de facto, tout le monde du fait, eh bien, situation exceptionnelle, ça n'est pas un mobile juridique, côté qu'on ne peut pas appliquer la Constitution ou les fondamentaux même de l'État de droit, eh bien, qu'on a mis un recours à cette petite Constitution, à ce parcours,
pour doter les prochains, c'est-à-dire les prochaines autorités ou les prochains gouvernants, d'une légitimité. Donc c'est là pour nous lier nationalité pour nous-mêmes, et c'est ça tout à fait exprimé. C'est livrer tenu compte des aspirations population. Je dis à sécurité, c'est besoin chaque monde de guerrier, ouais, à de guerrier du seul, à bord, c'est l'original livré, en passant par le végétatif conscient, ou celui qui dort à la belle étoile. Je dis à nous tous, nous avons besoin de sécurité. Donc ça, nous tous pour entendre nous soumis. L'organisation des élections comme moyen démocratique pour choisir librement ses gouvernants, c'est ça, choisir comme démocratie. C'est appliqué, nous, par exemple, au prescrit de l'article 58 et suivant de la Constitution, qui dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, okay, qui, eux-mêmes, ont délégué l'exercice de cette souveraineté, soit à partir des élections, et ça a dit pour choisir président, sénateur, etc., les locaux, ou indirectement à travers moins que autorité ou pour aller se faire. Donc, je veux dire, c'est ça, ils ont exprimé. Ils ont besoin de justice, question pétro-caribé, par exemple, souverain, par exemple, massacre qui fait un quartier populaire. Ils ont besoin de justice, justice pour M. Dorval, justice pour l'ancien président de cette journée, Moïse, justice pour Antoinette Duplet, qui sont membres fondateurs Marché pour la vie, justice pour Diogo Charles. Donc ça a tout le monde besoin. Les services sociaux de base, je dis, à, par exemple, produit pour les nécessités à monter considérablement. Donc ça y est, in fine, c'est ça que nous besoin de résoudre. Mais bon, côté qu'on passe là, c'est lorsque, en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur société civile, nous arrivons à cet accord, à cette petite constitution, pour doter PIS avec des autorités légitimes de l'avant pour engager l'État. Et marcher pour la vie, c'est notre dynamique, ça a nié. Donc nous constatons qu'il y a trois positionnements à travers un gouvernement et autre. Eh bien, nous réunissons trois positions sérieuses. Nous avons besoin que nous traduisions une position unique pour que Haïti pour le soutien en dedans. Trois positions sérieuses. Eh bien, le SAA, en tant que gouvernement, en tant que futur gouvernant, en tant que citoyen, en tant que responsable, pour nous dire population, voilà. Nous-mêmes qui t'a dit, si je venais pas là, mais qui t'a nous pensé, mais qui j'en aurais gouverné mieux, eh bien, mais ça, nous besoin bail. Comme image, mais ça a besoin d'aide comme vision ou encore comme espoir à toute la population. Donc, marcher pour la vie, c'est une dynamique et ça a tenu comme facilitateur. Il y a des gens qui sont capables de dire qui j'ai des images ou à parler. Nous sommes tombés dans la division pirate. Moun ki t'a demandé des pas Jovenel yo, yo t'a fait non unité totale capitale et jounen jodi a pou joignon accord, chaque moun fait bande à part, chaque moun gon accord a pas couché et qui vrai avenir accord ça yo là nous connaît gon bonne l'autre accord déjà qui t'a accouché pas jambe bien suivi et qui confiance population haïtienne capable de faire des accords ça capable coucher accord ça yo met Gédéon. Non, c'est que ça question fondamentale et bon que c'est du Mariotte. Le Mariotte à Jodia, il y a plusieurs accords. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans le marché pour la vie, nous avons facilité à conclure l'accord du 5 juin. C'était une initiative marché pour la vie. Mais Jodia, notre position a évolué. Parce que nous-mêmes, nous partons du principe que les acteurs sont de bonne foi. Parce que, on va comprendre ça et avec un rapide et bon, et il y a eu à tout le monde qui a fait de nous là. Et la politique suit sa propre logique. Même j'ai moi-même qui a pensé de la paix nationale, je connais que le droit international suit sa propre logique. Martin que Kofi Annan dit que le droit international, c'est ce que veulent les États. Donc, politique a des bonnes logiques qu'ils suivent. Donc, nous-mêmes, et comme facilitateurs, chaque acteur exprimé nous dit que son bon bagage. D'ailleurs, nous partons du principe et que les acteurs sont de bonne foi. Mais c'est mieux comme ça. Donc nous-mêmes aujourd'hui, hein, nous pensons que nous avons un moment vraiment historique et ou même, par exemple, Bobsy, qui sont vecteurs d'opinion, qui sont influenceurs à travers Jean-Paul Mélenchon, monsieur, etc. C'est que nous. Nous que nous-mêmes, je dis à nos rôles pour nous jouer, pour nous aider à te livrer à courir à ça et pour la surveiller aux gens pour faire là. C'est que nous-mêmes, demander aux populations hein, pour suivre dynamique. Hein, parce que finalité, hein, nous disons, c'est arrivé à changer les conditions de vie mondiale. Et des fois, acteurs qu'on n'est pas pour compte. Il faut que vous connaissiez que la population a fourni d'avis, que ce soit à travers une initiative d'un quartier populaire, d'un projet, ou encore à travers les gens que Bob a mené l'émission. Donc nous-mêmes, nous devons encourager
nous continuons à encourager et nous ajoutons nous-mêmes notre dynamique de complémentarité, côté que tout nous capables de dire ça n'a pas plus bon souffert comme ça. Donc je dis là, malheureusement, c'est la réalité ça a ténué. Nous, par la Constitution, on ne peut pas appliquer la Constitution. Nous, on gagne des gouvernements qui défait, qui là, qui n'a pas engagé l'État. Eh bien, encourager pour arriver vers cette petite constitution, entre guillemets, qui s'est un accord minimal pour vraiment doter pays à dans ce mécanisme, dans cette directive politique, et que pour retourner dans la normalité constitutionnelle, c'est-à-dire organiser des élections selon la constitution, des élections démocratiques, et que pour population, pour citoyens, n'a pas choisi lui-même ses représentants, ses gouvernements, conformément aux articles, c'est-à-dire aux principes de l'article 58 et 60 de la Constitution, conformément aux principes de l'État de droit. Et, M. Gédéon, au-delà de démarches nous, pour nous arriver jeunes en proposition unique sur l'ensemble de propositions qui sont là sous table, là, est-ce que nous posons peut-être nos questions sous volonté réelle acteur pour nous joindre en entente, là, nous connaissons depuis sous Jovenel, le problème ça a été posé encore après l'Amol, et étant donné que nous, pour la plupart, c'est de monde qui étaient entendre nous déjà, par exemple, pour voir Jovenel aller, et là, nous, en difficulté pour nous entendre nous sur encore. Bon, je pense que il y a deux paramètres qui ont regardé mes questions, ça, Pierre Oulé. Il y a le discours politique, ça, acteur politique au carême. Bon, ça, son idéal, il est capable, même en sorte de chimère, il est capable de mettre du temps, ok, mais son idéal. Maintenant, il y a une réalité politique. Moi, c'est que je dis, la réalité politique a poussé acteur à aller, plus parce que nous-mêmes, nous marchons pour la vie. Vous prenez par exemple au mois de mars, nous avons travaillé avec les politiques pour vous compris la Constitution. Donc, nous voyons que il y a des divergences, mais quelque part, il y a une bonne volonté. Mais peut-être que la réelle politique là, fait que il y a une pacte à avancer aussi rapide. Mais je dis, le NAP fait des analyses combinées, des analyses politiques, des analyses croisées. Nous voyons que l'acteur voulait avancer. Parce que nous avons un compte en jeu vraiment du taille. Que ce soit acteur qui a rapproché au vert encore 30 groupements que nous encourageons, acteur commission que nous encourageons, encore acteur qui veut rapprocher de encore politique qui est PN a proposé. Et il y a des acteurs tout qui a rapproché du encore PN. Donc nous-mêmes, nous pensons que nous encourageons ça pour dire ça, dorénavant, nous avons idée claire du côté acteur politique qui voulait aller. Eh bien, nous pensons que automatiquement que nous-mêmes nous marchons pour la vie nous faciliter. Et que Boxé facilité, Jean Monnet a facilité, tout le monde, maintenant notre fait d'activité nous aider, nous pensons que ça permet que acteur ou que dorénavant la studio. Parce que moi, c'est que l'une constat que nous faisons souvent, nous manquons montrer acteurs politiques qui n'a suivi ça. Et nous avons garanti que Boxé avec Guéry, avec Léonel Mila chaque matin, à 5 heures, nous avons garanti. Si nous réentrons dans la mixa, acteurs autorisés concours. Parce que nous-mêmes nous pensons que dans 8 jours maximum, acteurs capables de faire ça. Si nous mettons pression sur nous dans le sens positif, si bon c'est fait ça, parce que position est clairement exprimée déjà, sous prend peine, ou prend proposition, ou prend accord, et gouvernement de fait ailleurs là, rien, sous prend accord contre tout ça, ou après fondamentalement. Nous expliquons même bagaille. Côté organisation, ça, un, c'est exécutif municipal, c'est seulement M. Henry qui est pour exécutif municipal. La majorité municipal. Et probablement intérêt à l'éclair. Donc, à venir mettre un président sous tête Ariel Henry là, c'est, en tout cas, c'est couleur là, c'est le seul chef dans le pays. Donc, c'est son bar qui est bien calculé. Et que c'est lui qui était comme premier ministre pendant que ça n'a pas fait partie de Jean l'État à l'échappanté. Une équipe de décision qu'il prend et qui doit prendre, donc il doit passer à travers un président de la République. Donc, pour qui ça intéressant pour que c'est lui qui était hein, comme premier ministre sans président. Qui ça le met comme explication qui est capable, en tout cas, faire mon comprendre. Bon, et M. Ariel Henry, qui sont premier ministre de fait, n'était capable de prendre considération parce que c'est lui qui vient l'État. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on engage l'État. Parce que M. Henry connaît que tant que le pouvoir en cours politique, il n'est pas qu'à engager l'État, d'ailleurs, son truc qui était mis là. Mais de fait, son acteur à part entière de la crise.
Donc nous considérons position. Mais nous-mêmes, nous connaissons que selon la Constitution, selon notre pratique, notre sociologie, c'est que nous-mêmes, c'est exécutif bicéphale. Parce que la Constitution, ce sont bien exactement là. C'est le président, par exemple, qui a engagé et PIA au plan international, que ce soit avec les pleins pouvoirs ou en passant avec lui-même. Donc ce n'est pas le Premier ministre, pas nos colonels. Pour convoquer le peuple conseil communiste, c'est le président de la République qui a fait lui pour la prestation de serment des nommés et élus sous table, ou désignés et élus du CSPJ. C'est en devant le président de la République pour prêter serment, entre autres. Donc pour nommer les directeurs généraux, etc. C'est président qui ces personnes qui est calé, les gens pour m'expliquer dans le dernier rapport thématique qu'on fait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, et dans le rapport ça nous pas gardé M. Jovenel Moïse attaqué M. Jovenel Moïse, mais nous gardons comme chef d'État. C'est vrai que le mandat est fini, mais du fait, en tant que chef d'État qui était élu. Ok? Donc, nous montrer ça. Mais réalité en fait que je vous dis, hein, et nous-mêmes c'est ça, comme facilitateur, réalité en fait.